Allez, salut à tous, c'est Mister666. On se retrouve pour un nouvel épisode de Multigaming. Notre épisode 2, aujourd'hui nous aurons comme jeu du Cube World, du Battlefield 3 et à nouveau du Borderlands. Et on se retrouve en face commentary. Salut tout le monde. Donc j'ai mon petit bonnet là, comme ça tranquille, il commence à faire froid un peu chez moi. Et je suis en morph suite, donc complètement habillé en rouge. Je montre plus ou moins ma tête. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de la montrer. Mais c'est déjà ça. Vous voyez plus ou moins, et comme ça, vous voyez à peu près ma tête. Donc, Cube World, c'est un jeu indépendant, un peu un MMO indépendant, avec des serveurs qui sont disponibles maintenant pour les multijoueurs. J'ai l'impression que le son est un peu trop fort. Le best, donc, je me suis créé un petit perso simplement pour tous les multigaming. Ou des vidéos que je ferai par la suite. Donc j'ai enlevé tout le son là parce que sinon c'est un peu trop fort, je pense. Donc j'ai créé un rogue humain. Donc rogue c'est un peu voleur, donc je suis un peu. Bon lui, il va me faire mal. Oula, je crois que je vais mourir. Ouais, il me fait beaucoup trop mal lui. Donc je suis un voleur, je suis censé être fourbe un peu. Sauf que bah, pour l'instant, je peux pas l'être, j'ai pas encore les sorts disponibles, donc je suis toujours au niveau 1 et on va essayer d'XP un peu ensemble. Aide-vous faire découvrir ce jeu. Bon, tue-moi. Ça voilà. Merci. Donc le jeu est pas bien cher, on peut l'avoir pour je crois 14 euros ou 20 euros. Un truc comme ça. Donc vraiment pas trop cher. Bon, il est un peu. C'est des mondes infinis. Enfin, plus ou moins, c'est ce qu'ils disent. Bah, ça c'est vraiment un bon achat, même si je trouve qu'à un moment ça peut lasser. Les multijoueurs sont vraiment intéressants, par contre, c'est assez drôle de pouvoir se faire des petits donjons à plusieurs. Donc, par exemple, là on va se diriger directement vers le village qui est là-bas. Voilà, hop, comme ça, dans cette direction. Donc, moi j'ai en attaque 1 ben, une attaque, et en attaque 2, je sais pas ce que c'est. Donc on a des petites vaches toutes mignonnes qu'on peut défoncer, je pense. Quand même. Ok, donc ça les empoisonne à voir ma deuxième attaque de base. Allez, tu l'as. Voilà, 4 XP. Donc pour l'instant, on gagne pas beaucoup d'XP. C'est normal, petit à petit, ça vient toujours. Ouh, elle va me défoncer la vache. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Vite. Dans l'eau vite. Est-ce que j'ai d'autres bouffes? Non, j'ai pas d'autres bouffes. Vite, vite, vite. On récupère sa vie avec des petites potions. Je vous montrerai comment on les fait. Allez, allez, on peut la tuer. On va voir là où j'ai spawné. Il y a que des mobs assez forts. Bon, on peut la tuer. Allez, allez, on va la tuer. Voilà, magnifique. Un petit champignon pour faire des brochettes, des champignons par la suite. Donc c'est un peu bizarre là, c'est la première fois vraiment que je filme. Enfin, c'est ce que normalement, si tout va bien, je devrais. Vous devriez voir. Merde, non. Bon, c'est pas grave. Vous devriez voir ma tête. Ça fait un peu bizarre. Donc, oula, elle vient tout sur ma tête. Ouh, je sens que ça va faire mal là. Donc vous voyez que je suis un peu invisible. Enfin, de temps en temps. Ah bah oui, c'est bon. Elles me font pas trop mal. Donc moi, je vois pas tout à fait bien hein, l'écran, mais bon. C'est jouable. Clairement jouable. Hein. C'est pas horrible. Donc là, on va arriver dans le premier petit village. Donc où il y a à peu près tout dedans. Même si j'ai encore rien, ça peut toujours être utile d'aller dans le village. Donc voyons voir juste. Qu'est-ce que j'ai? Juste que je m'approche un peu parce que je vois tout petit peu rien. Alors lui c'est pareil que lui. Ouais, et j'ai des arcs. Ah, j'ai peut-être une épée. Elle est mieux. Ouais, elle est mieux. Voilà. Ah bah c'est une main par contre. C'est pas grave. Voilà. Ouais. Oh, je préfère clairement à une main. À deux mains, pardon. Allez, on va les aider, comme ça on prend un peu l'XP. D'accord.
Ok, merci les potes, hein. Super, j'arrive dans un combat, je me fais mais exploser la tronche. Allez, monte là-haut. Donc, pour escalader, normalement, c'est Shift. Normalement, si je dis pas de bêtises, pas après, il veut pas. Allez, monte. Mais. Ok, ça doit être mes touches qui doivent être tout à fait bien réglées. Alors, comment on voit les touches? Non, c'est pas là. Je vois pas qu'on puisse changer les touches. On cancel. Mais il me semble pourtant que c'était. Alors, c'était quoi? C'était ça. Ah, voilà. Donc, c'était. Enfin, contrôle. Contrôle, vous pouvez escalader. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Mais vous avez une jauge de vie. Enfin, d'escalade, donc de stamina. Et si vous êtes au bout, ben. Ça. Vous empêche de monter, donc vous tombez bah, et vous pouvez enfin, vous tomber en bas de ce que vous montez, vous faites mal, voire vous mourrez, vous perdez beaucoup de vie. Donc le petit village a l'air plutôt pas mal. Oh, je regarde juste l'heure, ouais, sans être trop énorme. Faudrait juste que j'arrive à trouver les magasins qu'il me faut, ça serait cool. Donc ces petits animaux là, la majorité des animaux pourront être apprivoisés avec certains petits aliments spéciaux à chaque petit animal. Donc là on cherche bon, pour l'instant le but au début c'est vraiment de farm. Enfin de voilà, faut trouver ce genre de choses. Mais le but au début, c'est vraiment de ouf, j'arrive pas à me concentrer. Le but au début, c'est de vraiment prendre de l'XP et choper plein d'affaires et tout. You can rest. Ok, donc juste pour faire passer la nuit, c'est vrai. Donc si vous voulez faire passer la nuit, c'est un peu comme dans Minecraft quand on dort. Donc lui, c'est une auberge pour pouvoir dormir et passer la nuit. Donc ça c'est un truc que pas tout le monde sait, c'est plutôt intéressant. Donc c'est ces gros bâtiments là que vous voyez, c'est pour les classes, chacun a sa classe à partir d'un certain niveau. Vous pouvez améliorer certaines choses, mais pour l'instant on va peut-être essayer de se voir pour s'acheter une arme ou essayer de vendre certains trucs. Donc on peut vendre. Attends, peut-être ça j'arrive à me l'équiper. Bon là je l'ai vendu je crois. Ouais, je le vends aussi, à moins que je puisse le mettre là. Ah bah non. Mince, je l'ai vendu. Hop. Voilà, on reprend ça. Donc ça nous sert à rien. Et puis ça, on va quand même y garder. Comme ça peut toujours nous servir. Ça, on vend, j'ai dit. Ça, on vend. Voilà. Non. Ça, oui, ça, on garde. Hop. Faut que je mette dans cette main. Voilà, je crois que on a fait la première partie de la vidéo sur Cube World. Dites-moi si ça vous intéresse par la suite. Et peut-être que j'agrandirai la taille des vidéos. Parce que des fois, là, j'ai l'impression que ça va durer même pas 30 secondes. Les 10 minutes qui viennent de passer. Voilà, je vous retrouve tout de suite sur du Battlefield 3. Allez. Ciao tout le monde. Eh bien, on se retrouve sur Battlefield 3 pour la suite de notre épisode 2 de notre multigaming. Suite à Cube World, j'enchaîne sur du Battlefield 3, un peu différent jeu. Donc là, ça diversifie un peu. Ah non, j'ai appuyé trop longtemps sur la molette. Donc, par contre, pas de caméra cette fois-ci. Car j'ai essayé, hein, je vous cache pas que j'ai essayé. Mais où est-il? Ok, merci les amis. Il y a du monde là-haut, je vais pas essayer de frotter le diable non plus. Wow, il y en a même beaucoup, on va peut-être lancer une grenade. Il y a l'air d'avoir du monde là aussi, voilà. Coucou. Donc pas de caméra parce que j'essayais de jouer, je faisais un score mais genre juste dégueulasse. Pourquoi j'utilisais ça moi? Pourquoi?
Juste un score dégueulasse, c'était impossible de jouer, je voyais aucun ennemi, aucun détail. D'où il est pas mort lui. Ok, super les campeurs là. Et donc pour mettre un peu le... Ouh, merci. Ouh là, merci. Donc pour mettre le contexte, je suis en match à mort par équipe, donc mon team deathmatch sur les canaux de la shore, un truc comme ça. Pour avec. Aïe, j'ai eu galère là. Avec l'AEK 931 et le Magnum, comme vous avez pu le voir juste avant. Quand j'ai fait mon petit kill. Ok, donc il y a l'air d'avoir du monde par là-bas, en fait. Beaucoup de monde. Ouais. Non, il y avait du monde qui était là. Comment ça se fait qu'ils soient arrivés par derrière lui? Donc je faisais vraiment un ratio, mais juste, mais dégueulasse au début. Bon, t'as où comme ça lui? Il est mort. Ok, c'est cool. On soit notre pote qui fait défoncer la rate. Un peu stylé quand même ce gun, hein, il faut l'avouer. On va pas rester par ici parce que ça a l'air d'être un tout petit peu chaud. On va sauver notre poste juste à temps. Super. Utile, super utile. Donc j'ai coupé un tout petit peu tôt la vidéo de Keyboard. Donc on va peut-être faire un tout petit peu plus long sur Battlefield 3. Et c'est un jeu vraiment qui. Niveau j'ai fait de la merde, c'était pas mal. Et niveau quand je refais de la merde, je balance pas trop, beaucoup trop loin. Aïe, ok. Merci les gars. Ok, il y a encore des aigles, enfin des pigeons aigles comme vous voulez, je sais pas. Aigle sang. Ok, celle-là. Voilà, merci. Waouh, moi je me casse de là. Ok, il y a un gars juste là. Trop de monde. Oh, il m'a toujours pas tué. Je te soigne, je te sauve. Merci, on recharge enfin. Allez, c'était un tout petit peu chaud. On reprend mon arme de base. Donc ça c'est un peu le... Wow! J'ai vu du monde là-bas. Oh non! Non! Il manquait une balle, le gars. Non! Ah, dommage, dommage, dommage. Ok, c'est pas grave. On va se balader tranquillement là. Enfin, tranquillement, c'est un grand mot. Il y a du monde par ici. Ok, il est mort. Il y a du monde là-bas au sniper. Pour toi. Ok. Un peu plus rapide que moi, c'est pas grave. Plutôt remonter mon ratio, enfin c'est ce que je dois faire. Normalement, je fais rarement des ratios négatifs pour vous dire. Ok, ma petite grenade là, posée. Il y a du monde qui va arriver là. Hop, on se cale tranquille par ici. J'ai vu un petit laser rouge par là-bas. Toi, où est-ce que tu comptes aller? C'est bien ce qui me semblait. Donc joli petit gameplay. Enfin, joli, toujours un joli jeu, je veux dire. Qui va très bien aller dans notre épisode 2. Tu vas où toi? Et le petit coquin, il croyait aller où? Alors lui, il est mauvais là-bas. Mais il m'a encore jamais touché. Je t'ai vu là-haut. On va voir, il est mort. On va quand même pas rester là 3 heures. Ouh, j'ai pris une petite balle là. Il m'a picoté les fesses. Ouh. Ah, dommage, dommage, dommage. Mais picoté les fesses, ce qui m'a sûrement, sûrement été la cause de ma mort. Ah, mais c'est quoi ce bordel de spawn là? Je comprends rien. Mais
Oh, c'était quoi ce spawn? Ok, donc il y a toujours quelques petits bugs, hein, mais bon. Wow, il y a trop de monde! Oh, le spawn là, alors magnifique, hein, franchement. Bon, c'est pas grave, hein. On relance une grenade en espérant choper quelqu'un, parce que là, il y a un tout petit peu trop de monde dans ce. Je vais faire un tour ici. Ok, il y a encore trop de monde qui passe par là. Le problème avec la UK, c'est qu'elle a jamais de munitions. Bon, il faut que je défende tous mes côtés. Et recharger à chaque fois, ce qui n'est pas toujours très facile. On va essayer de passer par là. Il y a des snipers qui campent au fond. C'est pas le top. Allez, on fait une petite percée. Oula. Ok. Ok. Bon, là la partie on va pas la finir, ça risque d'être un tout petit peu long. Mais on aura quand même fait une jolie petite partie avec quelques jolis petits kills. J'aurais pu le. Oh dommage. Désolé mon ami. Ok, headshot là. Il a rien dû comprendre. À sa vie, l'hôpital Bear. Toi aussi. Pas non plus, on enchaîne. Je pensais qu'il était AFK, c'est pour ça que j'ai visé aussi longtemps et que j'ai pas rechargé avec l'autre arme. Et je pense qu'on va encore faire une petite percée et on se laissera. Je pense que ça fait déjà plus de 2 minutes qu'on est là. Voilà, c'est sniper, ça va pas le faire. Bon, ils sont. Ouais, ça va. Ils sont... Je crois que j'ai l'impression qu'on gagne. Je suis pas sûr. J'ai pas trop regardé, j'ai pas trop le temps. On va pas passer par là. Voilà, sinon on va par là-bas. On vise. Ah, et puis, là, il y a l'air d'avoir encore du monde. On continue la petite percée. Jusqu'à qu'on meure et la mort sera. Enfin, notre fausse mort en quelque sorte sera. La fin de notre partie sur Battlefield 3. Ah, je sais, pas. Ok, donc la mort n'est pas imminente. Eh bah si. Voilà, donc j'ai fait un. Bon, je suis remonté à du ratio de 1. Donc c'est déjà ça. Oh bah non. Ah, le sauveur, il est où? Bon, bah c'est pas fini. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci mon ami. Ah bah si, voilà, j'ai pas réussi à reprendre ma chance, en plus ça va bientôt se finir à voir. Mais c'est pas grave, voilà, on se retrouve tout de suite en Face Commentary de nouveau sur Borderlands 2. Ciao ciao, à toutes. Nous revoilà sur Dur Borderlands 2, coucou la caméra, voilà de nouveau. Voilà, ça sert à ça cette combinaison à la base. Hein, je sais pas que j'avais fait sur YouTube à la base pour faire le con avec des amis. Donc, on se retrouve dans une petite mission où il faut libérer Roland, un des personnages principaux de la série Borderlands. Je vous avoue que je vois pas très bien. Je vous avoue quoi, que je vois pas grand chose. On m'a dit d'accorder pas froid. Tu vas pas tarder à refroidir. Ok. Voilà, merci, casse-toi. Toi. Toi. On a tout fait, merci. Voilà, de 1. Peut-être un peu fort, attendez, je vais baisser le son encore de nouveau. Volume de la musique. On va mettre à 3, plus c'est normal. Ok. Ok, voilà, on va faire le petit tour en fait ici. F. De la money. Ils essayent de faire la peau à Roland depuis qu'il les a virés de Sanctuary. C'était gros comme une maison. Mais s'il y a rien, s'il y a quelque chose. J'aime bien tout regarder. Tout.
fois que j'ai plus ou moins tout pris, enfin, je vois pas tout. Je vois sûrement pas tout, hein, parce que je vois un peu. Je vois pas très bien si vous voyez. En plus, j'ai mes lunettes dessous là. Donc, on va continuer. Là, je peux rien faire. Attendez, il y avait quelque chose avant, en fait. Non, j'ai tout, tout ramassé. Voilà, pardon. Merci. Non, c'est nul. On ne prend pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez, enfin, quel jeu de multigaming vous voulez que je fasse, par exemple un gameplay ou plus de vidéos dessus. N'hésitez surtout pas à, me le dire. Allez, on les défonce. Plus personne. Moi, plus personne. Moi, que Tourelle fait tout, moi, je récupère les affaires. Tiens, cadeau. C'est la toute petite grenade, trop magnifique, attention. Wow. Aïe. Attendez, j'ai pas la bonne grenade à voir. Voilà, elle allait mieux. Tu vas aimer, mon ami. Attention. Ah, je suis bloqué, il va me tuer. Quelque chose par là. J'ai mis ça un peu, c'est juste magnifique. Aïe, même moi je prends cher. Voilà, magnifique, merci. La petite grenade, qu'est-ce qu'elle a donné? Rien du tout. Oh, encore des gars, tenez ma petite tourelle. Alors attendez, hop, au milieu du combat, on change des armes. Une petite mitraillette. Celle-là elle est mauvaise. C'est encore un peu trop fort, je trouve, le son personnellement. Donc je vous enlève tout ça, on va me mettre à 1. Voilà, non, qu'est-ce que c'est mieux? Non, c'est pire. Il tire sur qui là? Là-bas. Allez, voilà. Allez, on le défend cette fois-ci. Il me faut des grenades. C'est quoi ça? C'est un sniper. On va regarder. Ah, faut que je pense que je peux envoyer ces trucs par terre. Je vais pas m'envoyer des munitions de grenades. Je trouve que c'est une grenade ça. Wow, j'ai rien compris. Ok. Il est où Coco là? Tiens. Hop. Et encore un dernier coup. Voilà, il y a encore... Voilà, enfin fini, hop. Qu'est-ce qu'il me donne? YOLO, super stylé. Je sais pas ce que c'était. Oh bah je sais pas, je dis que c'est mieux. Ce que je viens de prendre, pourquoi je balance ça tout le temps? C'est du gaspillage. Un truc de malade. Alors ici, le petit sniper, est-ce qu'il est bien? Alors, mon pire des snipers, c'est lequel? Non, c'est celui-là. Est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est moins bien? Il est moins bien. Essayons de jouer au sniper un petit coup. Avec les yeux à moitié cachés. Ok, encore un gun. Est-ce que c'est... Non, il est moins bien. On garde celui-là.
Même si j'en ai d'autres, mais normalement c'est celui-là le pire. Je garde toujours le pire avec moi pour gaspiller ses munitions. Enfin, je sais pas si ça marche comme ça. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. Donc, c'est pas grave, ça va très bien. Je me démerde avec. Sans problème. Ouh, ça fait mal. Vous voyez comme ça fait mal. Bon, peut-être. Tiens, en tout cas. Je veux pas crever ici. Ok, voilà, hop, on prend ça. Donc, je me suis débloqué aussi, je vous ai pas dit, de la dernière fois. 100 000 dollars, ouais, sûrement. Donc, je me suis libéré de où j'étais la dernière fois, sans vraiment faire la mission, parce que c'était impossible de la faire. Je devais faire... Je devais... avoir un hélicoptère, je pense qu'on va devoir l'avoir par la suite, mais pour l'instant je l'ai pas. Qu'est-ce qu'on snipe? Voyons voir si y a quelqu'un. Ok, les gars, tiens, tu prends cher. Allez, prends cher. Ok, vous, je sais pas si vous voyez, mais je ne vois rien. Enfin, vous pouvez pas savoir, mais. Allez, encore un petit coup, toi. Voilà, je vois pas grand chose, Tiens, cadeau les gars. Hop. Oh non, il y a encore lui là. Tenez, vous allez kiffer ça. Vous. Aïe. Bon bah, là, j'étais mal. Y'a plus ma toile. Vite. Voilà, et en plus j'ai de la vie juste ici, donc c'est parfait. On voulait savoir ce que c'est ça, c'était de la thune, encore des gars, mais c'est pas de la type ça. Ok, là-bas haut le gars. Ah, mais il prend pas très cher lui par contre. Encore, mais ils ont respawné ou quoi? Ma tourelle, qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais, bah, alors on défonce la tourelle là-bas haut. Qu'est-ce qu'il perd? On va essayer de prendre l'autre, je sais pas si je pourrais. Ah bah non. Donc il faut qu'on prenne une petite. On va prendre la petite mitraillette électrique ici. Ouh, il a pris cher là d'ivoire. Il prend cher à l'électrique, ok. C'est cool à savoir. Hop. J'ai plus de vie. C'est pas grave. Tiens, voilà. Oh, coucou. Aïe. Oh, mais tu repas toi là-bas haut. Ouais, ils vont arrêter de me faire chier là. Bon, juste à. Encore, mais c'est pas possible ça. Tourelle V, tourelle S, c'est la mienne qui a perdu. Voilà. Comme ça au moins elle est défoncée. Est-ce qu'on peut monter là-haut? Ah bah oui, on peut monter là-haut.
Qu'est-ce que vous voulez, Coco? Moi, il prend du relais. Il prend une grenade. Et je fais votre rat. Wow, 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 hey, Albert, tu te calmes. Tout te calme. Allez. En tout cas, j'espère que les choix des jeux dans ce multigaming numéro 2 vous aura plu. Et en tout cas, c'est mon but. S'il vous a pas plu, ben dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Ouh, ça c'était beau ça. Je commence à avoir un tout petit peu mal aux yeux. Mais ça c'est un détail. N'inquiétez pas. Les toilettes, on a pas mal de choses intéressantes à voir. Donc là on a un sniper. Celui-là on peut regarder si il est mieux. Il est mieux. Je le prends. Et une mitraillette. Ma pire des mitraillettes, c'est celle-là, je crois. Bon, ça je peux oublier. Elle est un tout petit peu nulle. Il y a de la thune un peu partout. Hop. Et hop, voilà. Et on continue notre petite avancée. On a sauvegardé, c'est bien. Ça au pire, j'en viendrai ici. Après avoir quitté. C'est déjà ça. Alors, où est-ce qu'on va là? Aïe, tenez, prenez vous ça. Hop, oh, c'est pas mal. Bon, ça va, pas très mal. Si je serais visé là sur niveau Borderlands 2 et Battlefield 3, c'est un tout petit peu différent quand même. Hop, hop, hop. Ah, toi, je te fais mal là-bas au fond quand même. Allez, viens là. Voilà, je l'ai tué. Il y en a encore un, je crois, par là. Où es-tu, Coco? Eh oh, Coco. Ok, il y en a un qui est là-haut aussi. Bon, je peux y aller, je pense. Je pense pas que c'est lui qui va faire vraiment beaucoup de dégâts. Et au pire, je crois. Ok, à voir, il y en a l'air d'en avoir à nouveau beaucoup. On va rebalancer ma petite toile dès qu'elle... Niveau supérieur, super. Ça, c'est cool. Toi, tu dégages. Ma petite tour, elle va faire son travail. Mais en attendant, nous, on contourne. Go. Wow. Toi, tu calmes, toi. Tiens, prends-toi ça. Aïe, yo, aïe, aïe. Oh, j'ai pris cher avec ma grenade là. Heureusement qu'elle l'a tué directement après. Sinon, bah, j'ai perdu pour mal. Ouh, il me donne beaucoup de choses. Grenade nulle et un bouclier nul. Voilà, super. Merci les gars. C'est gentil de votre part. Nous, on doit continuer à monter. On monte. Allez. Ah oui, j'ai un niveau. Alors. Donc j'ai un niveau, je vais le faire comment on fait déjà. Donc déjà j'ai des jetons, utiliser des jetons, dégâts, des jetons, capacité de bouclier, des jetons, dégâts au corps à corps et dégâts des grenades. Voilà, et ensuite, alors c'était K ça, bon K c'est ça. Alors j'ai un point de compétence, où est-ce que je peux le mettre? On va le mettre là, voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce multigaming. Donc, on a vu, on va mettre comme ça. On a vu du Cubeworld. Donc, je vous ai présenté le jeu. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-le moi, c'est à vous de le dire. Moi, j'aime bien. Ça peut me saouler au bout d'un moment, mais pourquoi pas vous faire des vidéos dessus. C'est possible. Vous avez du BF3, donc j'ai déjà fait un gameplay.
il y a quelques semaines, enfin il y a 2 semaines, je crois. Pas mal, donc je me suis vraiment bien amélioré. Donc pourquoi pas continuer là-dessus. Et du Borderlands comme la semaine passée pour le multigaming numéro 1. Et la semaine prochaine, je pense vous proposer. Aïe. Du. Non, pas du Assassin's Creed 4. Je fais un let's play dessus que j'espère que vous regardez. Ouais, bon, ça, je verrai, je vous dirai. Je pense qu'il y aura peut-être de nouveau du Minecraft. Même si j'ai sorti une vidéo de construction, il y aura du. Ouais, je pense qu'il y aura de nouveau du Battlefield 3 et du League of Legends, je pense. Donc, on mixe un peu tout ça. Et bah, ça fera un bon petit épisode 3 la semaine prochaine. En espérant que celui-là vous ait plu et que le premier aussi, si vous ne connaissez pas la série et que vous tombez sur cette vidéo par hasard, allez regarder le premier et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un like sur la vidéo, ça me fera plaisir et je vous dis ciao tout le monde!